Et les amis, je crois que la calvitie commence, voilà. Ah, eh bien salut toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, eh ben ça va pas trop, donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept très 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 narcissique. Et voilà, c'est quelque chose qu'en plus j'ai fait dans la vidéo Mes abonnés sont populaires, mais là on va le faire de manière plus approfondie. J'ai besoin un petit peu de me faire brosser dans le sens du poil, j'ai besoin de voir s'il y a des choses sur moi, j'ai besoin de voir si les gens s'intéressent à moi ou pas, c'est totalement narcissique. Le but c'est de taper sur internet en globalité Mkolo, tout simplement. Donc YouTube, Google, TikTok, Twitter. Et puis bah j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est du divertissement, c'est juste là pour le fun, pour le lol. N'oubliez pas le pouce bleu si le concept vous plaît, évidemment. C'est pas le concept que je referai la semaine prochaine, parce que bon, à un moment donné, ça va la comédie. Allez. Alors ce qu'on va faire, déjà, et YouTube ça a changé, ça c'est super cool, maintenant ils ont fait, t'as plus envie de chercher sur YouTube, c'est vraiment tu cliques sur le truc qui t'intéresse, et sachant que c'est en fonction des vidéos que tu regardes, hein, l'algorithme il est pas con quand même. Moi ce qui m'intéresse, et je comprends pas pourquoi ils me le proposent pas, et bah c'est de chercher Mkolo directement. Qu'est-ce qui se passe quand on cherche Mkolo les amis, c'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ça déjà c'est les trucs sympas, bon là il y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà regardé, mais ça permet de voir un petit peu les prédictions de recherche, qu'est-ce que les gens recherchent entre guillemets le plus, qu'est-ce qui est associé finalement à Mkolo sur YouTube. Et on se rend compte évidemment que le premier truc qui arrive en ce moment c'est Mkolo Euro Truck Simulator 2. En deuxième place on a Mkolo Parc d'Attractions. Et l'autre truc par contre qui fait très plaisir c'est Mkolo l'Aventurier. Et c'est pas pour rien parce que finalement c'est une série qui a fait quand même voilà 23 000 vues pour l'épisode 1, l'épisode 9 2000 vues. Donc c'est une série qui a été quand même plus ou moins trouvée facilement et ça fait plaisir. Et pourquoi pas refaire un jour une série modée sur Minecraft, mais bon, vous savez très bien que pour le moment je n'ai pas envie et la seule qui me motiverait ce serait une série de l'été. Mkolo Flight Simulator, ça fait plaisir parce qu'en réalité mes vidéos sur Flight Simulator c'est pas les vidéos les plus vues et pourtant c'est quand même à la 4ème place. Euro Truck Simulator jour 2, American Truck, Mko Park, Mkolo Setup. Si on fait Mkolo Music, il se passe quoi? J'imagine qu'on voit mes parodies. Voilà, 312 000 vues pour Bigflo et Oli sur la Lune. Merci beaucoup les gars, ça fait super plaisir. Il y avait aussi la musique Mon Abeille, mes autres parodies et évidemment mon EP. Mon premier EP et là mon deuxième EP. En description, n'hésitez pas à streamer. Putain, j'en ai fait quand même des parodies en vrai, hein. J'en ai quand même fait pas mal. Bon, du coup, là, ce qui va nous intéresser, ça va être de taper juste Mkolo. D'accord, on tape Mkolo. Et ce qu'on va faire, alors évidemment... Sur quoi on tombe? Bah sur mes dernières vidéos, c'est totalement logique. Ah, alors ça, voilà. Pourquoi il y a cette vidéo qui date d'il y a 4 ans? Alors le but, c'est pas de regarder des anciennes vidéos, mais j'ai quand même envie de regarder. Hein. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est pas 16h, mais on se retrouve quand même. Salut, c'est moi, ouais. J'ai pas changé, hein. En vrai, j'ai pas changé. Mais alors du coup, bah, c'est trop drôle parce que... Je vais prendre ma caméra. Voilà, c'est ici. Dans ce... Alors je sais que c'est difficile à percevoir, mais c'est dans ce coin là que j'ai tourné cette vidéo là. Donc le mur à droite, c'est ce mur là là. C'est fou non? Voilà. Le premier point de cette et vidéo. Et oui, j'avais du coup forcément j'avais pas de barbe. Voilà, enfin j'en ai toujours pas en fait, mais j'aimerais bien une fois genre tout raser et tout, mais bon j'ai avec mes problèmes de peau et tout, mes frérots, je vais la garder. YouTube ils ont changé encore, alors leur algorithme est le même, mais maintenant ils te recommandent des vidéos de manière différente. Et donc quand tu tapes Mkolo, tu vois que les utilisateurs ont également regardé, et donc tu vois L7C Fox, donc ça fait super plaisir de voir qu'on est dans le même game que finalement vous. Qui cherchait Mkolo, vous regardez les vidéos de S7C Fox, j'en suis super content parce que bah, il fait des bonnes vidéos. On va mettre maintenant cette semaine. Donc forcément il y a les vidéos de moi, de cette semaine, Femme au volant, Mkolo je pourrais. Minecraft, on reprend le concept de Mkolo. Azerty Kenzo, il y a 6 jours, 5 vues, yes! Salut à tous, c'est Kenzo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ok bon bref, comme vous voyez je suis sur Minecraft, voilà, je reprends un peu le jeu. On a créé quelque chose, comme vous voyez maintenant. Un parc d'attractions. On a créé quelque chose, c'est le monde des abonnés. Bon je reprends le principe à Mkolo, je sais pas si vous connaissez Mkolo en tout cas. Mkolo si tu passes par là, voilà quoi, je t'adore. Alors, Je vous ai dit aujourd'hui, la vidéo, c'est pour me faire du bien à mon ego, à mon moral. Ça, donc, merci à toi. Moi aussi, je te kiffe. Les participants, donc là, il y aura les noms. Ici, putain, ça me donne presque envie de refaire le monde des abonnés. C'est rigolo parce que, bon, alors, le monde des abonnés, pour ceux qui connaissent pas, parce que, en majorité, vous me suivez pour mes vidéos Euro Truck, j'imagine bien. Mais le monde des abonnés, c'était... J'avais 14 ans, d'accord, et j'invitais des abonnés, et ils construisaient en créatif sur un monde plat, tout simplement. Et à la fin, ça devait faire une map, quoi, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Et puis voilà, tout simplement. Mais je sais plus si ça avait déjà été fait ou pas par d'autres personnes. Donc, est-ce que c'est vraiment un concept à moi? Tu vois, parce que, par exemple, le concept « Mes abonnés sont populaires », à 100%, c'est mon concept à moi, les gars. Ok, y a personne d'autre. Y a personne d'autre qui a écrit ce concept. Mes abonnés sont populaires, je suis désolé, c'était moi le premier. Hein? Attention, hein.
J'ai bien été premier à quelque part, c'est pour mes abonnés sont populaires. Donc le monde des abonnés, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir de voir que c'est apparemment mon concept. Merci. Et je mets un pouce bleu. Mais je vais mettre un commentaire aussi du coup. Bah du coup, comme il m'a dit je t'adore, je vais mettre moi aussi je t'adore. Le karma s'est occupé de lui, alors ça c'est sur ma chaîne secondaire Mkolo Live. Les gars, si vous êtes en manque de moi. Non mais si vous kiffez mes lives, ou alors si vous avez pas le temps de regarder mes lives et encore moins mes rediffusions et que vous voulez passer du bon temps à rigoler un petit peu, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne secondaire Mkolo Live. C'est pas tous les jours qu'il y a des vidéos, mais mes vidéos sortent à 18h sur cette chaîne là et c'est des compilations un petit peu de live. Donc soit c'est des best-of ou soit c'est des compilations de parties, en l'occurrence Warzone, parce que je fais beaucoup de Warzone en live sur Twitch en ce moment. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est fun, voilà, même si vous aimez pas spécialement le jeu, c'est juste voilà, de la rigolade et des fois des bonnes games. Rigole, c'est encore jamais arrivé. Mkolo BG, ouais, alors ça fait depuis la nuit des temps que forcément, je crois que c'est un nom de famille dans les pays donc du sud, hein, si je dis pas de bêtises. M apostrophe colo, voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent et... Ah mais c'est une musique en fait. Ewa. C'est une musique. Mamoudzou Pawa. Usfanyongi Shambo Tsahontouche. Hé. Monya Madzi Mongaru Soukouche. Hé. Ah, bon bah c'est bien, en tout cas Mkolo il est BG, sachez-le, merci. Je commence une nouvelle aventure Minecraft épisode 1 anti-survie, et là il n'y a pas Mkolo dans le titre, donc est-ce que ça veut dire qu'en description il y a Mkolo? C'est fort possible, parce que c'est ce qui s'était passé dans ma vidéo mes abonnés sont populaires, on avait trouvé, mais en l'occurrence non, donc peut-être en tag, ou alors en description, ou alors pardon en commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit Mkolo. En général c'est comme ça que ça se passe, mais en l'occurrence non. Donc, comment ça se fait que ta vidéo est référencée en tapant Mkolo? Bah tout simplement parce que c'est lié à Minecraft, je pense. Oh punaise, on lance une première, une nouvelle survie. Oh là là. Keep me Balenciaga, Balenciaga. Et yo les potes, c'est Anti-Survie. On est là pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et on va faire... une nouvelle survie, mais pas comme... Ah mais il s'amuse avec les effets sonores là. Excellent, excellent. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir les amis, n'hésitez pas à aller regarder Anti-Survie sur YouTube, évidemment. Pourquoi j'ai arrêté Fortnite, chaîne de Mkolo? What? Attends, quoi? Attendez. Parce que je vous explique. Vous connaissez Créo? Créo, c'est le poteau, tu vois, Créo, c'est notre ami. Et en fait, sur Minecraft, son pseudo c'est Mcréo. Et là, je vois que quelqu'un s'appelle Mcréo, a une chaîne YouTube, mais et c'est pas Créo, lui, hein. Lui, c'est pas Créo, mais c'est trop drôle. Et par contre, il a parlé de moi, vu qu'il l'a mis en description chaîne de Mkolo, donc j'ai hâte de voir. Yop, les amis, c'est Mcréo. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle... Attends, mais c'est trop drôle. C'est pas Créo. Enfin, c'est pas le Créo, mon Créo à moi, mon petit Corentin, tu vois. C'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre Créo. Pourquoi ai-je arrêté Fortnite? En fait, la raison est simple, c'est Fortnite, ça m'énerve, en fait. Fortnite ça m'énerve, j'ai arrêté, le jeu est plus sur ma play, j'ai arrêté, t'as ça raison, m'a Fortnite, trop énervé, trop de Minecraft, c'est un bon jeu, genre c'est pas un jeu qui peut te faire rager. Quoi? Minecraft c'est pas un jeu qui peut te faire rager? Non mais attendez, faudrait peut-être pas se vautrer. Oh sa mère, arrête-toi. Oh non. Juste à côté. Oh non, c'est pas vrai. Ah. Putain, c'est quoi cette idée de merde? Shit! Ah, mais c'est une blague! Oh non, pas les poulets! Mais non! Non! Mais putain! Hey, il est super sympa, hein. En vrai, il est super sympa, hein. Attends, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire à Créo. Yo, ah putain, dommage, je savais pas que tu arrêtais Fortnite. Et je lui envoie le lien de la vidéo. Bon, si jamais il réagit pas, maintenant sa réaction. Ah bah oui, bah forcément tu tombes sur Mkolo Topic. Ça c'est pas moi les gars, ça c'est pas ma chaîne YouTube, hein. Ça c'est une chaîne YouTube automatique. 31 abonnés. Ah mais même moi je suis abonné, c'est vrai. Je suis abonné à une chaîne de moi mais qui n'est pas à moi. Donc je peux rien y faire les gars, hein. Voilà, c'est généré automatiquement par YouTube. C'est un honneur, donc il y a mon single Je Te Promets, il y a mon premier EP qui s'appelle 3 ans et mon deuxième EP qui s'appelle Je Pourrais. En tapant Mkolo, on tombe sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous les gars. C'est parce que j'ai sorti une vidéo setup il y a pas longtemps et du coup YouTube, il a capté Mkolo setup et donc je sais pas. Chess Gaming, Supreme Gaming, voilà, que je vous avais présenté sur... Oh les gars, si jamais il y a une marque de chess gaming qui voudrait éventuellement qu'on discute, moi je suis ouvert, hein. Moi je suis ouvert, hein, parce que... C'est... Voilà, moi je... Tous mes liens sont en description si vous voulez me contacter. Et ben je pense que ouais, là on tombera plus sur grand chose d'Mkolo. Là maintenant ce qui m'intéresse les gars, ça va être de chercher sur Google. Donc on va chercher Mkolo. Maxi
Donc, quand on tape Mkolo sur Google, heureusement, on tombe sur ma chaîne YouTube en premier, on tombe aussi sur des vidéos, sur mon site internet, sur mon Twitter, sur mon Tipeee, les gars, comme dit, n'y allez pas, hein. Mon Tipeee, ça fait des années que... Enfin, regardez, c'est vraiment un vieux logo, celui-là. Attends, c'est rigolo, ça. Qui je suis et quel type de contenu je produis? C'était en quelle année que j'ai fait ça, là? Je ne sais pas c'était en quelle année. Si, en juillet 2016. Bonjour, je suis un youtubeur nommé Mkolo, passionné par les jeux vidéo en général, ainsi que les montages vidéo. Je fais essentiellement du Minecraft, parfois du Grand Theft Auto 5, et pourquoi pas d'autres jeux détente. J'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans, et c'est juste un pur plaisir. YouTube me passionne, et l'argent aussi. T'imagines? Et ça, les gars, c'est mon ancien Twitter. Hein. Mkolo 5, ne suivez pas Mkolo 5 sur Twitter. Mkolo 5, c'est un gars... Je ne sais pas c'est qui, il a usurpé mon Twitter en fait. Donc mon vrai Twitter, il est en description, c'est mkolooff, les gars, voilà. J'ai déjà demandé à cette personne de supprimer ce Twitter, il n'a jamais répondu et il n'est pas actif en fait. Le 1er octobre 2019, j'avais mis « c'est quand tu veux pour supprimer ton compte ou changer de pseudo mkolo5 » du coup. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les gars, parce qu'il se passe pas grand chose. Donc c'est pour ça, vous allez pas être trop envahi de mes tweets quoi. Et là on voit des fanarts aussi, et je ne savais même pas qu'il y en avait. C'est-à-dire que ça... c'est sur Pinterest, voilà, c'est ça. Et c'est 11e Docteur qui l'a fait en 2016. Il y a Lady Bird et moi. Voilà, c'est mignon, c'est bien fait en plus. Et c'était en rush en plus, parce qu'on faisait beaucoup de rush à l'époque. C'est super bien fait. SoundCloud Mkolo by Firestorm. Je m'en rappelle. Je sais plus ce qu'il y a, mais je sais pourquoi il a fait ça. On les a quand même dépassés, les 3000 abonnés. Pourtant, je croyais qu'ils cesseraient d'augmenter. Jour en jour, les vidéos attirent beaucoup de nouveaux. Et je me dois de vous remercier, acolyte en or et abonné. Ah, mais c'est une blague! Stop. Arrête, stop! En fait, je vous explique, j'avais demandé à l'époque, et ça date d'il y a 4 ans, putain déjà. Je voulais faire une application Mkolo sur smartphone. Je sais même plus si j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube ou pas, mais je voulais faire une application sur smartphone et c'était Arthur qui s'en occupait. Et en fait, il avait fait une sandbox. Enfin, du coup, l'application n'a rien donné à la fin, mais il avait fait donc une sandbox, enfin, je sais plus comment on appelle ça, avec justement ce genre de son, tu vois. Et c'est drôle du coup, et du coup, il les avait mis sur SoundCloud pour après pouvoir les mettre sur la sandbox. Et puis voilà quoi. Genre un peu comme, vous savez, les sandbox sur le Play Store, hein, genre Jean-Marie Le Pen ou les trucs comme ça, et c'était ça qu'on voulait faire quoi. Alors arrêtez de tripoter les nénés. Au feu le tout fou. Au feu le tout fou arrive. Au feu le tout fou arrive. Oh mais c'est une blague. Coucou. God Michel dans le cul, deuxième. Il est déjà 16h. J'ai un ordinateur complètement pourri. Vous connaissez Akinator, vous connaissez Shazam, et ben moi, je suis Jésus. Non, quand même pas. Lady Melody, elle est dans la tête, I'm cool, la lady. Toujours moi qui dois faire le premier pas, hein, quoi, c'est pas avec les filles, hein. Oh, il est pas loué, quand Salut! Tous les mercredis, tous les vendredis. Ah là là, putain les gars, ça me manque de ouf. Cette époque là où t'étais insouciant. Allez, on rebondit là parce que sinon je vais pleurer. Map aventure détente, l'artificier. Oh là là, l'artificier. Oh, 14 juillet 2017. Splash. Les droits d'auteur, c'est pour ma gueule. My time now. Il est déjà 16h. Putain, les souvenirs, les gars, là, vas-y, ça faisait 2-3 mois que j'étais avec. Tellement de putain de souvenirs, les gars, je veux revenir en arrière et en même temps, tu peux pas revenir en arrière. La nostalgie est la plus grande faiblesse de l'homme et je le dis, je crois que c'est la 10e fois que je le dis. Eh, venez, les gars, on fait un truc, j'écris un commentaire ici, je mets back in time. Et vous allez sur cette vidéo, map aventure détente, l'artificier, vous y allez tous maintenant là. Et vous likez ce commentaire. D'accord? Je sais pas, j'avais envie. C'est juste pour faire un peu revenir les souvenirs, les gars. Vas-y, je compte sur vous, les gars. Vraiment. Me laissez pas faire un bide sur ma propre chaîne. Sur ma propre vidéo, sur mon propre commentaire, les gars. Je compte sur vous. On va chercher sur TikTok Mkolo. Et je suis tombé sur une vidéo. Je pense pas qu'il y en ait des nouvelles, mais on va voir s'il y en a des nouvelles. Quelqu'un qui a utilisé mon son. Un de mes sons, c'était Madrog de mon EP 3 ans et qui a utilisé ce son pour en faire un TikTok et c'est pour ça que j'adore TikTok et voilà, de créer du contenu, des trucs, de détourner des chansons pour en faire autre chose. Et n'hésitez pas les gars, si vous avez des idées avec mes musiques, s'il y a des paroles qui vous font penser à quelque chose et que vous voulez détourner ça pour en faire un truc créatif, n'hésitez surtout pas. En story Instagram ou sur TikTok, toutes mes chansons
sont sur TikTok et Instagram, donc les gars, n'hésitez surtout pas. J'ai toujours besoin d'elle dès le lever du jour. Elle peut calmer ma haine, me donner. Donc merci à toi, ça Sandra, si jamais tu passes par là. Je peux pas me passer de toi. Je peux pas me passer de toi. Tu vois, dans le même délire, voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à utiliser par exemple le son Dans un monde de fous avec le passage Je peux pas me passer de toi et vous montrer de quoi vous pouvez pas vous passer. Donc en l'occurrence, la moto et le café. Et ma copine, accessoirement, mais tu m'as compris. Mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! C'est la meilleure façon d'utiliser ce son! Mais merci, Boboche, je sais pas non plus si c'est en français, s'il me connaît, mais c'est énorme! C'est énorme! Chet! Ah, c'est énorme! Il a utilisé mon son peur. Un chasseur qui va buter, qui veut buter, je sais pas c'est quoi comme animal. Et il y a un oiseau qui lui chie dessus, et au même moment, on m'entend faire. Genre, chet! C'est énorme! Alors qu'à la base, la chanson, le c'est un de tristesse à la base. C'est énorme! On va taper sur Google Maps M-Colo. Quoi? Attends, tu tapes M-Colo et tu tombes sur Europa Park? Mais non! Attends! Mais c'est énorme! Je suis en short, hein, tranquille. Hein. Google, il a lié mes vidéos Europa Park, Minecraft, avec Europa Park, donc M-Colo, Google Maps, Europa Park. Mais c'est incroyable, mon pote. Bah les frérots, c'est rigolo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était M-Colo, plein de bisous. N'hésitez pas à chercher M-Colo sur internet, ça fait référencer un petit peu mieux le truc. Hein. Ciao tout le monde.